coucou les amis. Alors on se voit pas très très bien, mais c'est normal puisqu'il est actuellement 2h57 et je pars au travail. Du coup on se retrouve sur le parking de mon boulot presque une heure après, à 3h56, vous voyez, j'ai pris mon service et je m'en vais récupérer mon train, mon petit train d'amour. Donc à partir de maintenant, je vais préparer un train, je vais faire des trains, je vais conduire des trains plus exactement. Je vais prendre un taxi pour aller chercher un autre train à 50 bornes d'ici. Enfin bon, je vais un petit peu naviguer dans la région. Et je devrais terminer vers, il me semble, 10h30, 11h moins quart. Vous allez me dire, oui, c'est super, tu vas avoir toute ta journée. Dites donc, tu t'es levé à 2h30, mais tu finis à 10h30 quand même. On en reparle tout à l'heure. Donc on se retrouve, il est 10h36 et donc je termine enfin ma journée, je suis dans ma voiture. Donc j'ai pris ce matin à 3h50, donc je me suis levé vers 2h25, ce qui fait quand même un réveil assez tôt. Et puis là du coup il me reste encore une heure de route pour rentrer chez moi. Et donc ensuite on verra ce qu'il y a à faire à la maison. On est à la maison, enfin. Il est quelle heure là? Il est 11h15. J'ai mis un petit trois quarts d'heure pour rentrer. Mais voilà, du coup, je suis éclaté, hein, forcément, depuis 2h30 ce matin. Et puis du coup, je pense que je vais faire une sieste. Parce que je vais pas tenir toute la journée, forcément. J'ai dormi 4h cette nuit, donc je vais faire une sieste. Pour finalement me réveiller dans l'après-midi, pour passer la soirée. Et puis pour aller se recoucher, parce que demain on se relève à 3h. Voilà, donc au final, voilà, on va pas faire grand-chose de la journée non plus. Voilà, alors c'est bien de finir le boulot à 10h30, mais si tu peux rien en faire, c'est pas tellement un avantage. Voilà, il est un peu plus de 14h et c'est l'heure de la sieste, évidemment, après avoir mangé, fait 2-3 trucs à la maison. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, je me suis auto-sorti du lit il y a quelques minutes. Il est 16h36 et le plus violent dans tout ça, c'est pas tant d'avoir fait une petite sieste de 1h30. Le plus violent dans tout ça, c'est de se dire que dans 12 heures, on sera au boulot. Donc, en 12 heures, il va falloir faire ce qu'il faut à la maison, ce qui a besoin d'être fait, n'est-ce pas? Il faut manger, il faut préparer ses affaires, il faut dormir pour être en forme. Il faut se réveiller, il faut se doucher, et puis il faut déjeuner, il faut faire la route pour être au travail dans 12 heures. Moi, je suis plutôt un gros dormeur. Si je mets pas de réveil et que rien ne me réveille, je dors 10 heures en général. C'est assez rare, surtout maintenant que je suis papa. We'll be right back.
voilà, donc j'ai bossé toute la matinée, j'ai terminé vers 11h15, le temps de rentrer, de manger, de sortir un peu le chien. Il est 14h02 exactement et je vais quand même essayer de résister à l'appel de la sieste parce que je suis en week-end et donc je vais devoir un peu supporter ma fatigue du jour pour essayer de me recaler, on va dire, sur un rythme classique, on va dire, pour pouvoir bah, profiter de ma famille pour le week-end, ça serait bien. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que j'adore mon métier. Je suis vraiment passionné par la conduite des trains. Enfin, c'est pas une passion dans le sens où je connais à la perfection tous les trains qui existent ou quoi. Non, c'est juste que je vais au travail tous les matins ou tous les après-midi. Enfin bon, tous les jours, je vais au travail avec plaisir. Et quand je suis à mon poste de conduite, eh ben, j'adore ce que je fais. Pour autant, vous venez de le voir et du coup, peut-être que vous comprenez mieux la faible récurrence des vlogs. Peut-être que vous comprenez mieux aussi ma lenteur à lire, à travailler. Tout simplement parce que j'ai pas beaucoup le temps et ce temps qui me manque n'est absolument pas dû à une grosse quantité de travail, mais tout simplement à un rythme qui m'impose une hygiène de vie particulière. Et donc j'ai pas forcément le temps en dehors du travail de tourner des vlogs, de travailler des sujets pour l'université, de lire vraiment en grosse quantité. C'est pour cette raison que j'aspire à un autre rythme, tout en gardant les connaissances et l'expertise que j'ai dans mon métier. Une opportunité professionnelle se dessine un petit peu devant moi et je pense que je vais la saisir pour pouvoir acquérir une meilleure stabilité dans ma vie personnelle et une meilleure stabilité pour ma famille. Le problème étant que cette opportunité professionnelle ne va pas pouvoir se faire sans l'abandon de ma L3 de philosophie. Alors je sais, c'était un gros projet personnel qui me tenait vraiment à cœur, mais ça ne reste qu'un projet personnel. Il n'y a aucun impératif derrière, aucune ambition professionnelle avec ça. C'est pas du tout ce qui me fait manger tous les mois. C'était plus un challenge et je me disais en même temps que ce diplôme pourrait me servir un jour. Malgré tout, je suis convaincu que ce diplôme ne me servira à rien ou quasiment à rien dans ma vie. Il est donc temps pour moi de l'accepter et de passer un peu à autre chose et donc du coup d'arrêter cette année, enfin ces 2 ans à la fac. Ça me fait plus perdre du temps dans ma vie qu'autre chose. Et petit à petit, l'impératif de stabilité familiale se fait sentir.